téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour, avec vous Jean-Pierre Pipon. À l'heure où je vous parle, nous avons été informés de la propagation du clownopapyrus dans l'octogone, et cela malgré les gestes barrières. Nous ne savons pas comment le virus est propagé. Avec nous aujourd'hui pour en parler, nos spécialistes Alex Terrier et Alain Terrier. Ouais, bonjour monsieur Pipon. Bonjour monsieur Pipon. Bonjour à tous les deux. Comme en notre habitude, nous répondons aux appels de nos chères téléspectatrices et téléspectateurs via l'application WhatsApp. Et bien apparemment déjà un premier appel. Oui, bonjour. Bonjour les copains. Oulala, la première. Et je vais vous dire, le gel drôlement alcoolique, eh ben c'est drôlement bien. C'est vrai. Par contre, ça là, le masque, eh ben c'est de la merde. C'est tellement de la merde que je sais pas comment le mettre. Il y a pas de notice. J'essaie de le mettre dans tous les sens, comme ça, et puis de plein d'autres façons, ça marche pas. Madame Trobat Ndiaye a la raison. À moins d'être astronaute, on ne peut pas mettre de masque. C'est au-dessus de nos capacités intellectuelles. Bon, avec vous à l'extérieur, dites-moi, pour les autres recommandations, qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, je les ai suivis à la lettre, figurez-vous. Bon. Absolument. Le gel hydroalcoolique, eh ben, je l'ai bien utilisé. Je me suis bien ciré le nez. Je me suis aussi, par mesure de précaution, ciré la bouche. Et voilà. Et en plus, moi je suis généreuse, j'ai partagé avec tous les copains. Et on s'est fait plein de checks des fesses. Et après quand ils sont partis, par contre, ils avaient le nez tout rouge. Mais il fallait pas partager avec les autres. Ah bon? Qu'avec moi, je vous l'avais dit. Ah bah il y en a plus. Bon. Ben écoutez, il va falloir suivre les nouvelles recommandations de notre cher ministre de la Santé, Olivier Véru. Alors, c'est le remplaçant hein, de Zinzin. Ah, hein. D'accord. Alors, il y en a trois. La première, il vous dit de ne pas se regrouper avec plus de 5000 personnes. Hein. Ah, et ben non, on n'était que 4980. 19. Ça passe, hein, ah. Ok. Ensuite, une distanciation entre les personnes, c'est très simple. Alors, 50 doigts entre chaque personne. 50 doigts comme ça. Oui, je pense que vous avez bien compris le principe. Hein. Okay. Ensuite, apparemment, à l'intérieur, voudrait rajouter. Oui, si je peux me permettre. Merci d'abord de me donner la parole. Pour la troisième recommandation, je conseille de rester confiné. Ta gueule!